Et salut à tous, ravi de vous retrouver sur le circuit d'Interlagos, autrement appelé Autódromo José Carlos Epache, au Brésil pour la 20e manche du championnat du monde. Et vous l'avez vu hier avec la nouvelle pole position de Lewis Hamilton et de Mercedes sur ce tracé absolument magnifique, encore discuté hein, pour l'année prochaine sur le calendrier 2017. On espère vraiment qu'on le retrouvera car c'est un tracé absolument exceptionnel avec 15 virages, mais finalement la moitié vraiment vraiment de très très technique, et peut-être les deux plus techniques, le S de Senna et peut-être aussi le dernier, le 12e, le Juncao, qui donne vraiment l'élan pour la très longue ligne droite courbe qui rejoint la ligne droite d'arrivée. Sur un circuit donc de 4,3 km, anciennement 7 km en 73, donc c'est vraiment un circuit mythique où on a vraiment vu toutes les plus grandes finches de championnat de l'histoire, hein, on se souvient de la dernière en date avec Vettel et Alonso en 2012, on se souvient également de celle de Lewis Hamilton et de Felipe Massa en 2008, où c'était finalement Timo Glock qui avait donné dans le dernier virage la victoire du championnat à Lewis Hamilton, alors que Felipe Massa avait remporté le GP sur la Ferrari. Donc pour ce week-end du Brésil, j'ai pris la Renault, hein, tout simplement parce que Renault a été un acteur un peu majeur hein, sur le marché des transferts. On a vu que Kevin Magnussen s'était plaint un peu d'être prévenu au dernier moment finalement de la renouvellement de contrat, et que Renault avait finalement appelé beaucoup de gens, même le pape a priori, pour avoir le baquet l'an prochain. Et puis finalement, donc, ça sera bien Nico Hülkenberg en premier pilote, et puis Julian Palmer en second pilote. Hein, je pense qu'ils ont joué la carte du financement avec papa Julian Palmer en second pilote, parce que je trouve que bon, même si Julian Palmer a été un peu meilleur en fin de saison, l'expérience à Magnussen aurait été préférable. Alors Magnussen qui partira donc dans le garage As hein, avec Romain Grosjean, qui a fait une super performance hier, sans doute sa meilleure performance en qualification hein, à Romain Grosjean déjà de cette saison, et puis depuis qu'il est revenu aussi avec un tour absolument phénoménal en Q3, puisqu'il a eu qu'un one shot hein, finalement, et il a réussi à hisser sa voiture en 7ème place devant la McLaren Alonso ainsi que devant les deux Force India. Donc c'est vraiment une très très belle performance. Donc et la Renault, donc vous voyez, qui est assez à la ramasse. Et donc, pour me faire plaisir, j'ai décidé aussi de prendre en seconde voiture, et pas de comparaison finalement ce week-end entre F1 2015 et F1 2016. J'ai décidé de prendre la Mercedes du poleman de Lewis Hamilton et donc de Nico Rosberg hein, finalement qui a échoué à un petit dixième de la pole position. Alors c'est vrai que je pensais aussi que les Mercedes allaient tomber en dessous des 1 minute 10, hein, passer cette barre et descendre sous la barre des 1 10. Et bien finalement, les voitures qui ont roulé moins vite qu'en 2014, et le record du tour donc qui n'est pas tombé, et qui est toujours préservé par Nico Rosberg et son temps de 2014, avec les premières voitures, cette première génération de voitures hybrides, en 1:10.023. Et donc loin Lewis Hamilton hier en 1:17.736 du temps de Nico Rosberg en 2014. Donc sur ce tracé, alors aujourd'hui c'est vrai qu'on annonce une météo un peu changeante avec des risques de pluie. Donc encore une fois, je pense que vu qu'on est quand même à quasiment à la fin du championnat, et que finalement Abu Dhabi ne réserve pas spécialement de grands rebondissements, puisque c'est presque un tracé en ville hein, où il y a très peu de dépassements finalement, et où il est très difficile de doubler, et bien ça sera, je pense, ici cet après-midi à 17h que tout va se jouer entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton. C'est mon pronostic, parce que le départ va être absolument bouillant. En plus, si la piste est mouillée et qu'il fait une averse juste à l'avance, ça va être très compliqué. La chance à Nico Rosberg, c'est peut-être qu'il y a Kimi Raikkonen qui partira en 3ème position et Max Verstappen un peu plus loin en 4ème. Mais ça s'annonce quand même très 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 chaud dans le S de Senna. Et on a vu par le passé qu'il y avait pas mal d'arponnage dans ce premier virage au départ ici au Brésil. Donc rendez-vous à 17h sur un GP, je ne pense, qui ne sera à ne manquer sous aucun prétexte. Allez, salut à tous.